Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Batman Du Arkham personnel Asylum. médical a encore besoin de mon aide. Yep, en effet, c'est exactement ça. On était en train de sauver le personnel médical, il restait un médecin à sauver, il va falloir que j'aille au bout. Ok. Pas très compliqué. Donc, j'ai relancé le jeu, et j'ai pu voir qu'on a fini 5% du jeu. Alors, que tous les patients restent calmes, je sais pas si ça veut dire 5%. Du mode histoire ou 5% en comptant tous les trucs de l'homme mystère. L'un d'eux est terrifié à l'idée que tu partes sans lui dire bonjour. L'autre, eh ben, disons simplement qu'il sera aussi surpris de te voir que toi en le voyant. Quand Amadeus Arkham a construit cette institution, okay. Deux amis, rares étaient ceux qui deux autres super méchants, j'imagine. Le grand centre des... Je tourne à droite. Quelle est aujourd'hui? Tout le monde connaît les soi-disant. Et après, je continue à gauche, à gauche. Parce qu'il va falloir sauver Gordon, c'était ça le truc. Pour guérir Edgar, cette espèce d'enfoiré se cache. Où il a trouvé ce crochet? C'est quoi ton problème? T'es au courant de rien? Cash a eu un différend avec Killer Croc il y a quelque temps. Croc s'est enfui et a dévoré la main de Cash. La vache. Ouais, donc si tu vois un monstre énorme foncer sur toi, descends-le. Tu seras son prochain repas. Il est là! Tu es mon prochain repas. Bienvenue à l'asile d'Arkham. Nous sommes là pour vous aider. Quand Amadeus Arkham... Par contre, ça me saoule, ouais, le... Est-ce qu'on peut les éliminer tous les deux en même temps? La salle est pleine de gaz et Capitaine Crochet est coincé dedans. Ce Firefly était-il trop sensationnel? C'est Batman! Non, on peut en prendre qu'un seul à la fois. Allez, Batman! On peut pas lui parler? Ok. Cash, que s'est-il passé? Une alarme a retenti dans le centre médical. J'ai entendu quelqu'un crier et trouver le docteur par terre. Quand je suis venu l'aider, la pièce a été remplie de gaz. Ces portes se sont verrouillées. On ne peut pas sortir. J'ignore combien de temps on pourra tenir. Quel courage! Donnons un coup de main à Monsieur Cash. Il pourrait en utiliser une. Tu riras beaucoup moins quand je sortirai de là. En se détendant, je ne fais que te t'exciter. J'ai hâte de te rendre l'appareil. Laisse tomber, Cash. Tu peux contrôler le système de ventilation? J'ai essayé, ça ne marche pas. Il a désactivé l'accès à distance. Le Joker a rempli la pièce de gaz, et on est coincé dedans. Je peux rester assis là toute la nuit, mais le doc n'a pas l'air en grande forme. Ok, je peux pas aller n'importe où. Oula. J'espère que je l'ai sauvé. Je ne peux pas laisser cet homme mourir. Je dois vider la salle du venin aussi vite que possible. Ok. Batman, j'ignore si vous pouvez m'entendre. Le tableau montre que le ventilateur 1 est allé monter. Je peux aller là-bas, mais c'est juste... la pièce n'est toujours pas vidée. Tu peux voir en entier encore. Pas de prochaine fois. On est Batman. Aaron Cash. Grande hostilité envers Killer Croc. En même temps, vu la taille du bordel.
Faut être courageux pour être hostile envers lui. Firefly. Je m'attendais à ce que tu sois meilleur que ça. Ce train-là. Je te vaincrai jamais, c'est ça. Je connais pas lui d'ailleurs. Pyromane Garfield Linz, débutant en tant que petit malfrat, mais devint bientôt responsable de crimes plus importants, des incendies volontaires démolissant de grandes parties de Gotham. Ces incendies devenus rapidement incontrôlables lui laissèrent de terribles cicatrices. Son corps est presque entièrement recouvert de brûlures. Il porte désormais un costume ignifuge pour perpétrer ses crimes lorsqu'il n'est pas incarcéré à Blackgate. Tu me vaincras jamais. Je ne sais pas. On l'enferme, il sort et des gens meurent. Si je pouvais être seul avec cet animal ne serait-ce qu'une minute. Ok, oui, il s'en rend pas bien le... Moi, je dois juste me barrer de là. Ok, faut que... Oh! Entretien avec un patient numéro 21. Nom du patient, Edouard Nigma, alias l'homme mystère. Alors, Edouard, le directeur Sharp m'a dit que vous aviez encore gribouillé des énigmes menaçantes sur les murs de la ville. Il faudrait être diablement paranoïaque pour voir des menaces dans d'innocentes énigmes, Dr. Young. Puis-je vous en poser une? Très bien. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes? Puis deux. Et enfin, trois. Un homme. Il marche à quatre pattes étant bébé, sur ses deux pieds quand il est adulte, puis utilise une canne quand il est vieux. Bien tenté. Mais la bonne réponse est un bébé. C'est vrai qu'il marche à quatre pattes, mais couper ses jambes et il ne peut se tortiller que sur deux membres. Donnez-lui une béquille et il peut boitiller sur trois, vous voyez? Comment pouvez-vous plaisanter sur ce sujet? Facilement, docteur. Ce n'est pas mon bébé. Bon, ok. Au moins, il ferait pas ça à son propre bébé. C'est rassurant, je crois. Ok. J'ai même pas fait exprès de la ramasser, la cassette. Hein. J'avais même pas fait gaffe qu'il y en avait une. Ok. Donc on doit juste retourner à l'ascenseur. Donc. Gauche, droite, droite. Bienvenue à l'asile d'Arkham. Nous sommes là pour vous aider. Je déplace près du ring pour le grand événement. Allez, amène le popcorn. J'ai hâte d'y être. Que tous les patients restent calmes et rejoignent tranquillement la chambre. Bienvenue à l'asile d'Arkham. Il va se taire, oui. Nous sommes là pour vous aider. Quand Amadeus Arkham a trouvé cette passion, tu m'étonnes qu'ils deviennent tarés, les patients. Le mec qui répète ça tout le long. Réhabilitation, quelle est aujourd'hui? Tout okay. Le monde connaît les soi-disant super criminels. Vous les avez trouvés? Ils vont bien? Oui, ils sont saufs maintenant. Batman! On a un autre problème. Je dois aller au manoir. Toutes mes notes de recherche y sont. On ne peut pas risquer que le Joker mette la main dessus. Ce n'est pas un lieu sûr, docteur. L'île est une zone de guerre. Vous n'aurez aucune chance. C'est l'œuvre de ma vie. Vous n'avez vraiment pas le pouvoir de... Je la ramènerai, Batman, si vous me le demandez. Il est temps que je vous renvoie l'ascenseur. Je n'aime pas ça, mais... Qui a appelé l'ascenseur? C'était pas nous. Ça vient de l'étage inférieur. Cash, emmenez le docteur Young. Prenez ses notes et trouvez un endroit sûr où les mettre. Vous autres, allez dans la salle d'observation. Barricadez-vous dedans. Le patron dit qu'il est là-dedans. On se sépare. Oh, ils ont des armes à feu. Eh, putain, ils sont rapides, les potes. Je me rappelle que dans le deuxième jeu, si jamais c'était une situation comme ça, mais qu'on tue un mec discrètement, t'avais quand même le Joker qui prévenait son équipe. Eh, l'un d'entre eux est mort. On va te tuer, Batman ! Il est par là ! Je vais te le dire. C'était pas dans la règle de l'art, mais j'ai pas compris comment il m'avait trouvé l'autre dessus. Passer la barre? Je peux passer la barre. On va faire. Ah, c'était pour me cacher
contre eux, justement. Ouh là là. J'aurais déjà résolu toutes les énigmes alors qu'il est... Oh, Killer Croc. Ah, 3m35. Lutteur crocodile gangster meurtrier. J'adore le fait que ce soit un gangster. Une haine profonde des humains, tu m'étonnes. C'est une sacrée histoire ce personnage. C'est dommage que du coup il est difficilement adaptable au film. Bon, même si je fais partie des très rares gens à avoir apprécié Suicide Squad, faut pas se mentir, le Killer Croc dedans, jamais de la vie. Voilà, c'est bon. Ah, j'adore quand on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton qui va automatiquement là où on veut. Trop juste facile à monter dedans. Réfléchis. Je t'ai enfermé dans une petite boîte en métal, suspendue de manière précaire au-dessus d'un gouffre mortel. Et si je faisais sauter les freins d'urgence et te laissais tomber comme un sac de chiots? Mais non, t'as aucun intérêt de tuer Batman. C'était pour rire. Je te réserve quelque autre surprise. Prépare-toi à affronter de peur. Le Joker ne tuera jamais Batman. Il n'en a pas envie. Oh non. Oh non. Il n'y a pas de crainte. Ils sont seulement épouvantables. Aidez-moi. J'arrive pas à les enlever. Oh! On dirait que le bon docteur a commencé tôt. Ton rendez-vous n'est que dans plusieurs heures. Je suis sûr que tu planeras quand il sera prêt. Dis-moi, de quoi as-tu vraiment peur? Pour moi, l'épouvantail, ça reste l'ennemi le plus dangereux. C'est un de mes préférés, mais c'est aussi le plus dangereux des ennemis de Batman, en vrai. C'est extra. S'il vous plaît, aidez-moi, Batman! Non! What? Mais non, c'est Gordon, il peut pas être mort. Non, c'est un fake. C'est pas le vrai. Pardon, Jim. D'accord, il y a les yeux rouges. Non, il y a un truc chelou. Barbara. Je... Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Barbara, vous êtes là? S'il vous plaît, veuillez raccrocher. Waouh. Waouh. Putain, c'est trop bien fait. Tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas être ici. Est-ce que je... Je sais que rien de tout ça est vrai, mais...
Ah, oh, évidemment. Père, tu aurais dû lui résister, mon fils. Comme un homme. Maman? Aide-nous, Bruce. Ne nous laisse pas mourir. Soit Alfred, soit Bruce. Ah, encore mieux. Ça aurait fait comment si j'avais commencé par le dernier ? Oh putain ! C'est tellement bien fait son truc, putain. J'adore, franchement je suis à fond dedans. Un signe de chauve-souris, c'est bon. C'est fini, on est plus dans son... Attends, j'adore, mais c'est quand même... C'est trippant. Vous m'entendez, Bruce ? Que se passe-t-il ? Oracle, je vais bien. Qu'est-il arrivé ? J'ai perdu le contact. Vous êtes sûr d'aller bien ? Vous avez trouvé mon père ? Je vais bien. J'ai eu une petite dispute avec l'épouvantail, ça m'a ralenti. Je reviendrai bientôt vers vous. Un singe aurait pu résoudre celle-là. Mais bien joué malgré tout. White Shark. Ok, je connais pas non plus celui-là. Visage balafré qui lui fait ressembler à un requin, denté, taillé en pointe. Ok. Il y a plein de méchants que je connais pas dans cet univers, pourtant. Heureux, alors j'ai eu un petit souci, je sais pas pourquoi, mais le jeu a crash. Vous m'entendez ? Bruce ? Que se passe-t-il ? Ça on a déjà entendu. Le jeu a crash alors que j'ai essayé de passer la porte, tout simplement. Alors, bon bah je relance. Heureusement j'ai la sauvegarde automatique qui m'a ramené ici. Qu'est-il arrivé ? J'ai perdu le contact. Vous êtes sûr d'aller bien ? Vous avez trouvé mon père ? Je vais bien. J'ai eu une petite dispute avec l'épouvantail, ça m'a ralenti. Je reviendrai. Je suis obligé d'attendre là, ouais, voilà. Je peux passer à la conversation, c'est cool. Un singe aurait pu résoudre celle-là. Mais bien joué malgré tout. Voilà, ici ça avait bugué, je sais pas pourquoi. Donc, c'est très logique qu'effectivement c'était pas Gordon qui était mort. J'ai jamais vu un univers de Batman où. Ce n'était pas Gordon.
Le gaz de Crane m'a sûrement plus affecté que je ne l'imaginais. Tu es perdu, petite chauve-souris. Tu as du mal à faire la part entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'une invention de ton petit esprit tortue. Moi, c'est pareil. Fais avec, Batou. C'est plus facile quand tu abandonnes. Vraiment. Je suis en train d'hésiter à me dire est-ce qu'il aurait fallu que je reste là-bas. Ok, je sais pas où je dois aller sauver le commissaire Gordon. En fait, il faudrait sans doute suivre la flèche du Joker. Il me semble qu'ils allaient ouvrir la porte là-bas. Mais ouais, je disais, j'ai jamais vu un univers, n'importe quel Batman, où Gordon mourrait vraiment en fait. Ah merde, c'était lui. Le système pour changer des gadgets est très différent du deuxième. Ok, ça nous ramène là-bas, ça sert à rien que j'aille là. Je m'étais dit sur un passage où je vais débloquer un truc normalement, mais non. De toute façon, je pense que lorsque j'arriverai à la fin, je ferai des tours un petit peu partout. J'ai l'objectif de prendre les 240. Je reçois ton cher commissaire de police dans mes jumelles. Regarde. Harley a pour ordre de tuer le vieux. Si l'un de mes hommes pense que tu es dans la salle, il patrouille en bas. Je leur ai dit que tu étais honte. Ok, je suis désolé, j'écoute un petit peu Joker en même temps, mais y a plein de trucs. Ça, c'est le vrai Bane, c'est pas comme dans le film, ça. Ça, c'est le Bane qui fait plus de 2 mètres et qui a une montagne de muscles et qui a pété le dos de Batman, quoi. Voilà le marché. Si tu arrives jusqu'à Harley sans qu'il s'en rende compte, je te donnerai ton prochain cadeau. Et chou, il le fait pour la meurt. Tiens, je te donnerai même Harley, peut-être. Tu pourras avoir besoin d'un nouveau partenaire. Oh là là. Comment convaincre un gamer? Ça va le faire normalement. Pareil, y a pas de musique dans ce moment-là. Je dois juste, du coup, arriver discrètement. Le Joker ne plaisante pas. Il ne veut pas que Batman récupère le vieillard. Si quelqu'un s'en approche, c'est pas moi qui porterai le chapeau. Pas de problème. Je laisserai rien passer. Batman sera un homme mort, et je serai célèbre. C'est ça, va là-bas et continue à regarder. Quant à moi, la tristesse que Batman meurt d'un random du Joker. Ouh, putain. Harley, tiens le vieil homme là-haut. Vous voyez la chauve-souris ou quelqu'un d'autre rôdé, il meurt. Est-ce qu'ils vont me balancer si jamais il y a un mec qui est repéré au sol? On dirait que ce vieillard va se pisser dessus. Qu'on m'apporte un seau. Ça va, tu parles d'un flic quand même. J'imagine que Jim est un petit peu plus solide que ça. Un peu risqué ce que je fais. Dis-moi que je peux l'assommer comme ça. Voilà. Écoutez les gars, le commissaire meurt si l'un de vous repère l'autre taré de chauve-souris. Quand c'est le cas, Harley tue le vieux. Une grosse récompense attend celui qui le verra en premier. Il aime vraiment bien les jeux, hein. Juste il me voit, quoi. C'est con parce que... ils m'ont tous vu. Mais ils avaient juste... pas la force de le dire. Non, ça m'étonne pas. C'est une boule mouillée. Monsieur J a encore gagné. Pas encore. Mettons qu'il gagne maintenant. C'était quand la dernière fois qu'il avait gagné? Peut-être qu'il s'est fait emprisonner, justement.
Vous savez, vous devriez vraiment vous teindre les cheveux. Tout ce gris vous vieillit tellement. Fermez votre clapet, espèce de... Vous ne vous enfuirez pas comme ça. Vous avez mis pas mal de temps. Il est incontrôlable. Il essaye de prouver quelque chose. Je ne sais pas si je pourrais l'arrêter cette fois. Vous y arriverez. Batman, écoutez. On n'est pas seul. Il y a quelque chose d'autre ici. Je ne sais pas ce que c'est. Quel sale mouchard ! Il gâche la surprise ! Tais-toi. Oh, je t'ennuie peut-être ! Oui, parfait. Je sens que tu vas adorer la suite. Il veut l'identifiant du Dr. Young. Ce n'est pas important. Passez derrière moi. Vite. Bane. Ah. Je croyais qu'il n'avait plus Blackgate. Fais-moi descendre. Mais qui t'a fait ça? Le Dr. Young, la brouhaha. Elle a pompé le venin dans mon sang. Il faut l'arrêter. Désolé, petit Bailey. Ce cher docteur ne sera bientôt plus un problème. Vous aimez ma marionnette? Et si on le libérait? Gordon, fuyez! J'étais en train de me demander s'il préparait un coup. Ah, c'est ma barre de vie à gauche, j'ai jamais fait gaffe jusqu'à maintenant.
rendrai cette fois, Batman. Ce que je fais, ça devient pas un peu prévisible, la force? J'adore comme je marche. Ça va, Jim. Où est Quinn ? Partie. Elle a dû s'enfuir pendant que Bane vous balançait partout. Il faut qu'on vous sorte de cette île. Je ne suis pas un bleu. Je sais me protéger. Je te briserai, Batman ! Et ensuite, la brouhaha ! La Batmobile ? Non, Bane. Cette fois, c'est mon tour. Ah ok, bon, il est milliardaire, c'est pas grave. Jim, retournez sur le continent. C'est trop dangereux ici. Je ne veux pas vous laisser ici. La radio dit qu'il a semé des bombes dans tout Gotham. Si c'est vrai, vous devez y aller. On est prêt à y aller, monsieur. Bane a traité Young de brouhaha. Ça veut dire quoi ? Sorcière, en espagnol. Ok. Oracle, piratez les ordinateurs de la ville. Rassemblez tout ce que vous pouvez sur le Dr. Young. J'analyserai tout ce que vous aurez trouvé une fois arrivé dans la grotte. Une Batcave sur l'île d'Arkham ? Je l'ai construite il y a des années. Mieux vaut être prévoyant dans de telles situations. Ah, carrément. Comment avez-vous réussi à la tenir secrète ? C'est moi, rappelez-vous. Quoi ? Le Dr. Young aurait fait des expériences avec le venin, le même produit qui a transformé Bane en cet animal ? Oui, je suis inquiet. Bane semblait plus puissant que d'habitude. Le Joker veut le venin, et ça ne peut que nous amener des problèmes. Je me rends au point de l'homme mort, dans Arkham Nord. Je vous contacterai quand je serai dans la Batcave. Ok, je pense que je vais continuer tout ça dans le prochain épisode. On a bien avancé, on a pu sauver Gordon. Alors, je voulais juste regarder ici parce que... Ok. Normalement, quand il y a des endroits cachés un petit peu comme ça... Ouais, voilà, il y a toujours moyen de récupérer un truc. Bon, bon, on va écouter cette cassette et puis je vais me faire l'épisode. Ok, le truc c'est qu'il a pas envie d'être guéri, donc je vois même pas pourquoi t'essaierais à ce niveau là quoi. S'il a envie de rester comme ça, c'est juste que t'as rien à faire pour le mec. Bon allez, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine dans Batman Arkham Asylum.